de valoriser le domaine de l'agro-industrie au Togo, un accord de financement de 55 millions d'euros a été signé le 27 mai pour la mise en œuvre du projet Africa Europa Farm. Cette opération, qui vise à mettre en valeur la vallée du Mono, s'accentue sur la production, la transformation et la commercialisation du riz et du maïs. La signature du présent protocole d'accord cadre parfaitement avec les ambitions des plus hautes autorités de notre pays traduites dans le plan national de développement 2018-2022 et dans la feuille de route gouvernementale 2020-2025 qui vise un Togo émergent à l'horizon 2030. La concrétisation des engagements des parties prenantes de ce projet vise à promouvoir le Made in Togo. Ainsi, à travers la production d'un riz 100% togolais, le projet Africa Europa Farm va générer 250 emplois, ce qui va réduire le chômage dans la localité. Ce projet va aussi favoriser la construction d'un dispensaire, mettre en place un système stable de pompage d'eau, créer un centre de formation en nouvelles techniques de culture pour les transferts de compétences. Le cœur de la croissance économique, c'est l'industrialisation, la transformation. Et de ce point de vue, la transformation agroalimentaire des produits tels que le maïs, le riz, deviennent une opportunité pour les économies africaines. C'est le cas actuellement avec ce projet, ce partenariat que les dirigeants du Togo sont en train de signer avec cette firme. Pour les acteurs au développement du Togo, l'industrie agroalimentaire est un levier indispensable à la croissance économique du pays. En rappel, grâce à ce projet, la culture du riz, coûteuse pour les paysans, sera un grand atout dans cette localité pour faire face à la sérieuse concurrence du riz d'importation, essentiellement asiatique.